Merci de nous rejoindre sur TV7. Dans un instant, on va retourner sur les quais de Bordeaux où a commencé aujourd'hui la fête du fleuve. On va retrouver Benjamin Bardel à bord d'un immense bateau, le Kruzenstern. Mais d'abord, on jette un œil au reste de l'actualité et le tram C qui pourrait de nouveau fonctionner. Il est remplacé, vous le savez, par des bus de substitution depuis l'incendie du parking des Salinières il y a maintenant un mois, et ça devrait durer encore un petit mois d'après TBM. À la mi-juillet, le tram pourrait de nouveau relier la porte de Bourgogne au Quinconce, puis quelques semaines plus tard, début août, la liaison serait rétablie entre la gare Saint-Jean et la station Saint-Michel. Dans l'actualité également, cet accident mortel sur la route à Laruscade hier soir. Un homme de 28 ans est décédé. Le pronostic vital de son passager est toujours engagé. On ne connaît pas encore les causes de cette sortie de route. Une enquête a été ouverte. On regarde votre agenda pour la journée de demain. Ce vendredi, à noter une séance plénière à la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis c'est également demain qu'ouvrira le musée Mer Marine du promoteur Norbert Fradin. Après la galerie d'exposition temporaire ouverte en novembre, la majorité du parcours permanent sera donc ouverte au public ce vendredi. Reportage à voir demain soir dans votre journal sur TV7. Et puis demain, c'est aussi la fête de la musique. Des dizaines de concerts seront donnés un peu partout dans Bordeaux et notamment à la fête du fleuve où on va retourner dans quelques instants. Et plusieurs scènes seront également labellisées Bordeaux Culture. Il y en aura pour tous les goûts. Un vaste programme à retrouver sur le site Bordeaux.fr. Et puis musique toujours, c'est demain qu'ouvre la billetterie pour le concert de Sting, demain à 10h. À noter que le chanteur se produit le 22 octobre prochain à l'Arkéa Arena. Comme promis, on retourne donc à la fête du fleuve, on retrouve Benjamin Bardel. Benjamin, vous êtes à bord du Kruzenstern, c'est un des plus grands navires de cette fête du fleuve. Oui, alors je ne suis pas tout à fait à bord, Raphaël, mais ça y est, je vais à bord. Voilà, bienvenue. C'est l'un des plus grands navires écoles du monde. Donc autant dire que tous ces marins sont très jeunes puisqu'ils apprennent le métier ici de la mer avec ce magnifique voilier long de plus de 90 mètres, un bateau qui a été construit en 1926 en Allemagne. Oui, mais voilà, après la guerre, ce bateau a été livré aux autres pays après la chute de l'Allemagne, après la défaite de l'Allemagne, et il a été livré aux Russes. Donc aujourd'hui, ce bateau a un nom russe. Il s'appelait Padou avant du temps du drapeau allemand, et maintenant il s'appelle le Kruzenstern. Et je vais rejoindre Pascal Magne. Alors Pascal Magne, j'ai de la chance d'être avec lui parce que je ne parle pas russe. Bonjour. Vous êtes une agence qui s'appelle Worms. Venez, on va se promener sur ce magnifique voilier. Parlez-moi de Worms. C'est une agence maritime indépendante. Et c'est bordelais. Tout à fait. Alors, c'est français avant tout, installé à Bordeaux depuis très longtemps, une société fondée en 1848, à l'origine dans le trading de charbon entre la France et l'Angleterre. Puis après, dans les transports maritimes, puisqu'il fallait transporter effectivement ce charbon, la société s'est développée aussi dans la construction de navires, chantier naval, chantier du trait par exemple, puis dans les banques, les assurances, pour revenir dans les années 2000 au métier d'origine, l'agent maritime. Agent maritime, ça consiste en quoi ce métier? C'est la raison aussi pour laquelle vous êtes sur ce bateau aujourd'hui pendant la fête du fleuve. Tout à fait. Bon, j'ai tendance à dire, en Afrique on est appelé le capitaine à terre. Alors, c'est un bon exemple. En fait, on est l'interface entre la terre et la mer. On fait le lien entre le bateau, où principalement les échanges se font en anglais, avec des équipages de toutes nationalités, et la terre, que ce soit les autorités, donc la capitainerie, les affaires maritimes, la gendarmerie maritime. Et puis tout autre, les pilotes bien évidemment, les remorqueurs et la manœuvre qui assurent les services portuaires pour accoster et faire partir les bateaux du port de Bordeaux. Et puis merci parce que c'est grâce à vous qu'on monte à bord. C'est pas très simple, hein, même en termes diplomatiques, en termes d'organisation, de faire venir ces bateaux de Russie avec la barrière de la langue, les autorisations, j'imagine aussi l'armée, la sécurité, etc. Faites attention, c'est effectivement assez compliqué, mais c'est en partie une grande volonté de la mairie de Bordeaux de faire venir de grands voiliers pour des événements comme la fête du fleuve ou l'an dernier la fête du vin. Et par la bonne volonté de tout le monde, on y arrive.
Alors parlez-moi de ce bateau, vous le connaissez un petit peu ? Je connais un petit peu, effectivement, mais vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est un voilier école en fait allemand. Il a eu 3 navires qui ont été construits identiques. On appelle ça des sister ships, puisqu'en anglais, un bateau se dit efféminin. Donc ce navire-là a été une prise de guerre et a été transmis à la Russie à la fin de la guerre. Il est quand même incroyable, hein, il fascine les gens, on voit tous ces gens, parce que la fête du fleuve, c'est aussi un moment où les gens peuvent réserver en ligne pour venir visiter, monter à bord de ces bateaux. Il y a une image d'Épinal, hein, il y a quelque chose qui fait toujours un peu rêver, ça fait penser à l'aventure. Ça fait effectivement toujours rêver, malheureusement, on va dire, les métiers maritimes sont méconnus en France. Malgré les nombreuses façades maritimes que l'on a, on Exactement. A du mal. D'ailleurs, je fais un appel, on recrute. Ah, très bien. Vous pouvez lancer. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais effectivement, ça fait toujours rêver. Alors ça, ce sont des navires écoles, bien évidemment, c'est de la représentation essentiellement. C'est pas ce qu'on retrouve à la marine commerciale de nos jours. Évidemment, mais c'est intéressant parce que l'expression porte-drapeau, c'est un vrai porte-drapeau d'un métier et d'un pays, comme on en a nous en France. Tout à fait, tout à fait. Et je vous enjoins à visiter le musée à l'intérieur du navire, il est fantastique. Il relate l'histoire du navire sur près de 100 ans, puisqu'il commence à dater. Alors vous, en effet, hein, vous l'avez dit, votre entreprise existe depuis très longtemps. Bordeaux, le fleuve, il y a la Garonne, il y a aussi la Dordogne avec la rivière, l'estuaire, la mer, le musée maritime qui est en train, le musée de la mer qui est en train d'être inauguré et qui ouvre officiellement ce week-end. On a un lien à Bordeaux avec l'eau qui est incroyable. Oui, tout à fait. Et je suis content parce que depuis quelques années, les Bordelais commencent à redécouvrir le... Il y a François qui se prend les pieds dans le bateau. C'est les dangers, effectivement, sur un navire. Il faut faire attention. Venez, on vous emmène. On va aller au bout. Là, c'est sympa parce qu'il y a une jolie vue sur la Garonne. Et alors là, évidemment, il y a des soirées cocktails. Mais c'est aussi ça, hein, la fête du fleuve. C'est du partenariat et c'est ce travail-là. Tout à fait. Ce soir, c'est une soirée organisée par le Grand Port Maritime de Bordeaux. Pour effectivement tous les partenaires du port et de la ville. Vous me parliez du port en général, effectivement, c'est un port de rivière qui a été le premier port européen au XVIIe siècle, si je ne m'abuse, qui actuellement dans les news, effectivement, fait parler de lui plutôt négativement, mais on espère, avec entre autres l'arrivée d'un nouveau directeur au port, le port retrouvera sa splendeur. Alors, du moins se redéveloppera dans le proche avenir. Qui sont les gens invités dans ce genre de moment ? Parce qu'on voit à chaque fois, dans la fête du fleuve, des soirées, des cocktails, des invitations avec des gens importants qui doivent compter, j'imagine, dans la vie maritime de Bordeaux. Alors il y a effectivement des gens qui connaissent la vie maritime, mais il y a aussi surtout beaucoup de mécènes, puisque la fête du fleuve peut se réaliser en particulier grâce à de nombreux mécènes. Et dans ce genre de soirée, vous trouvez effectivement de nombreux mécènes qui sont invités pour les remercier de leurs gentils dons. Exactement, c'est très important pour financer tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre métier, parce que c'est aussi évoqué, on le verra dans les émissions de ce vendredi également, on évoque aujourd'hui la protection des océans, la protection des fonds marins. Est-ce que dans votre métier, on prend en compte ça ? Bien sûr, tout à fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les armements, depuis de nombreuses années, sont attentifs à cela. Et les règlements internationaux incitent aussi beaucoup à protéger l'environnement. Alors, vous avez discuté avec le capitaine. Il est où, le capitaine ? Non, alors, ce n'était pas le capitaine, c'était le second capitaine. Pour l'instant, le capitaine est occupé. D'accord. Mais je vais aller le voir tout à l'heure. Le second capitaine est occupé. Est-ce que vous savez combien il y a de marins ici, oui, à bord ? Tout à fait. Sur ce navire, aujourd'hui, il y a 180 membres d'équipage et 47 passagers. 180, hein, c'est vous dire, hein, c'est une vraie petite machinerie ce bateau a fait le voyage depuis la Russie. Alors, il a fait le voyage depuis la Russie, il s'est arrêté entre-temps à Rouen pour l'Armada et il vient directement de Rouen pour la fête du fleuve. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier qui fait appel et aux techniques de demain et aussi à ces bateaux très anciens et à des méthodes ancestrales ? Ce qui est très bien dans ce métier, c'est que ça se renouvelle tous les jours, c'est tous les jours différent. Je vous ai parlé qu'il y a 180 personnes, donc vous imaginez, c'est une petite ville qui peut avoir tout un tas de besoins, que ce soit médical, relève, là, on a des passeports qu'on a fait viser auprès de l'immigration,
Voilà, il y a tout un tas de besoins que peut avoir un navire, que ce soit pour sa, on va dire sa conciergerie à tous les jours, mais aussi, bien évidemment, pour les opérations commerciales lorsqu'il s'agit d'un navire de commerce. Et alors évidemment, pour les Russes, pour les équipes qui sont là, ce voyage, venir ici en bord de Garonne, découvrir une ville comme Bordeaux, c'est vraiment quelque chose de particulier, j'imagine. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est fantastique pour eux de pouvoir rencontrer le monde. Mais c'est je dirais, la naissance d'un marin. C'est de voyager, mais aussi de poser son sac à terre de temps en temps pour découvrir de nouvelles cultures. Alors ça, les gens adorent, évidemment. Hein. On vient tous toucher ça. Et puis on vient faire ça. Hein. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je le fais quand même. Vous pouvez, tout à fait. Mais il y a ce côté un peu pirate, cet aspect un peu magique. Oui, mais cette barre est fonctionnelle. Alors, on ne s'en sert pas pour naviguer actuellement, mais elle est toujours fonctionnelle. C'est vrai, elle marche vraiment encore. Elle peut marcher vraiment. Bon, on ne s'en sert pas pour naviguer, mais on pourrait. Mais en tout cas, j'imagine que cet événement pour vous et votre activité, pour l'entreprise que vous représentez, est important parce que quelque part, ça permet de visualiser un petit peu ces métiers qui sont souvent inconnus. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un métier très inconnu. À chaque fois que j'en parle avec des amis, ils me demandent toujours ce que je fais. Ils pensent que je travaille pour le port, alors qu'on est une société privée. Mais effectivement, c'est une très bonne chose et je suis ravi que les Bordelais commencent à s'intéresser à son fleuve et au navire. Et ben merci de nous avoir emmenés à bord de ce magnifique bateau qui est installé jusqu'à dimanche pour la fête du fleuve. Deux grands navires écoles magnifiques que vous pouvez évidemment découvrir en bord de Garonne et monter à bord. Merci Pascal, merci beaucoup. Merci à vous. À très vite sur TV7, salut. Merci à vous, Benjamin. On vous retrouvera bien sûr demain pour suivre de nouveau cette fête du fleuve en direct. On l'a dit, Bordeaux fête le fleuve, c'est jusqu'à dimanche et il y en a pour tous les goûts sur les quais. On va regarder les temps forts de l'événement qu'il ne faut pas louper. Des concerts gratuits tous les soirs, notamment Arthur H ce soir ou encore Jane qui sera dimanche sur la place des Quinconces. Et puis des spectacles pyrotechniques également ce soir et samedi. Et puis bien d'autres choses, des expositions ou encore des dégustations de vin blanc et puis bien sûr les grands voiliers, hein, on l'a vu, à admirer et à visiter. La fête du fleuve qui entraîne obligatoirement des fermetures du pont Chabandelmas. Soyez donc vigilants si vous traversez la Garonne. Demain, l'ouvrage se lèvera entre 21h30 et 23h. Et puis deux autres levées sont également prévues samedi dans la matinée et la soirée. Pensez donc à éviter le secteur. On continue de suivre la fête du fleuve. Vous nous retrouvez sur notre page Facebook TV7 pour des reportages et des visites inédites des coulisses de l'événement. Et puis on se retrouve demain pour suivre l'événement en direct. Et tout de suite, vous retrouvez un nouveau numéro de votre émission SoTalk sur TV7.